Bien avant, on va se promener, on va aller prendre notre petite tasse de café au ministère de la Justice. Et voilà, sur la table de Charles White, on l'a appris hier qu'au total, 22 magistrats, Khalil Camara, ont été envoyés à la retraite. Effectivement, hier, dans un décret, lui, sur les médias d'État, le colonel Mamadi Doumbouya met à la retraite 22 magistrats. Il faut dire que cette liste vient s'ajouter à d'autres listes parce qu'il faut rappeler que dans le passé, il avait mis des magistrats à la retraite. Je ne dirais pas qu'il avait mis des magistrats à la retraite, mais je dirais qu'il avait fait des décrets pour mettre des magistrats à la retraite. Et je vais vous dire pourquoi. Maintenant, parmi ces 22 magistrats, vous avez beaucoup de conseillers. Beaucoup de conseillers qui sont au niveau des différents départements de la justice. Vous avez par exemple la Cour suprême où il y a eu de la mise à, où il y a eu des magistrats qui ont été donc admis à la retraite. Maintenant, le décret qui met des magistrats à la retraite, je vais me questionner sur ce décret. Est-ce que réellement nous avons besoin de prendre un décret pour mettre des magistrats à la retraite? Je vais vous dire non. D'abord, tout le monde se demande actuellement dans notre pays que le président Mamadi Doumbouya prend beaucoup de décrets. Vous pouvez vous questionner sur cette avalanche des décrets dans notre pays. Est-ce que réellement il y a toujours nécessité ou il y a toujours légalité de prendre des décrets? Mais vous pouvez remarquer que. Mais est-ce que souvent, ça ne vaut pas le coup? Il s'agit là des magistrats, Khalil Camara. Attendez, mon cher Homo. Oui. Je vous dis qu'on prend des décrets dans des situations où le décret ne devrait pas intervenir. Dans ce cas, le figure là. Je vais vous dire pourquoi on prend des décrets dans des situations où ça ne doit pas. C'est-à-dire aujourd'hui, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, on constate que même là où la loi peut intervenir, c'est le décret qui intervient. Même là où le décret ne doit pas, l'arrêté ministériel doit intervenir, c'est le décret qui intervient. Le chercheur vous a parlé de la tyrannie du décret la fois dernière. Voilà. Donc, pourquoi aujourd'hui, vous savez, dans la légalité, le décret n'intervient que dans la limite où la loi est intervenue, où la loi a déterminé. C'est-à-dire que si on dit pour que Ibrahima Khalil Diallo se marie, il faut que le président de la République prenne... Oui, bon, une deuxième femme peut-être. Voilà, c'est un exemple. Il faut que le président de la République prenne un décret. Donc il faut comprendre que le décret peut intervenir à ce niveau. Mais là où la loi ne dit pas il faut prendre un décret, le décret n'a pas sa place. Alors, nous allons parler de la mise à la retraite des magistrats. Non, bien avant, il faut éclaircir ce point. Oui, c'est ce donc, que si je vous comprends bien, Charles White, bon, pas Charles White, le président n'avait pas besoin de prendre des décrets pour envoyer ses magistrats évidemment, à la retraite. Évidemment. Et qu'est-ce qu'il devait faire? C'est le ministre qui devait prendre une sorte de, comment on appelle ça même, une sorte d'arrêté. Non, attendez, attendez. Un communiqué. Attendez. Oui, allez-y. Je vais vous dire. Allez-y, Khalil. Je vais vous dire. Oui, allez-y, Khalil. D'abord, de manière populiste, quand le CNRD est venu au pouvoir, ils ont mis beaucoup de fonctionnaires à la retraite à travers des décrets, ce qui ne devrait pas intervenir. Parce qu'on ne prend pas un décret, on ne décrète pas la mise à la retraite. Mais je dis qu'il y a des situations exceptionnelles où on peut prendre des décrets pour mettre des magistrats, par exemple, à la retraite. Quand on prend le cas des fonctionnaires, un fonctionnaire, c'est prévu par la loi que lorsqu'il arrive, n'est-ce pas, il atteint l'âge limite pour aller à la retraite, il est d'office admis à la retraite. Donc le ministère du Travail et de la Fonction publique fait un arrêté ministériel. Cet arrêté vient pour, n'est-ce pas, définir ou, si vous voulez, annoncer la fin, la cessation définitive de leur fonction. Je veux bien parler des fonctionnaires. Maintenant, quand c'est le cas des magistrats, l'article 55 de la loi portant statut des magistrats prévoit que l'âge limite à la retraite est 65 ans. Exceptionnellement pour les magistrats de la Cour suprême, dont l'âge limite à la retraite est 70 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ces magistrats-là atteignent l'âge limite à la retraite, mais ils sont d'office admis à la retraite, c'est-à-dire que le colonel ne décrète pas leur départ à la retraite, mais ils sont d'office admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Ipso facto. Hein. Ipso facto. C'est ce que je veux dire, ipso facto. Alors, mais dans une situation exceptionnelle, des magistrats, par exemple, qui ont accompli un service de 20 ans, c'est-à-dire 20 années de service dans la fonction des magistratures,
ces magistrats-là peuvent aussi demander à ce qu'ils soient admis à faire valoir les droits à la retraite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint l'âge de 70 ans. Mais puisqu'ils ont atteint l'âge de 20 années, ils ont accompli 20 années de service, ils peuvent donc demander à ce qu'ils soient admis à la retraite. Donc, dans ces situations, le président peut prendre un décret pour mettre ces magistrats à la retraite. Parce que là, c'est un droit qu'on reconnaît à ces magistrats et de façon exceptionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas comme s'ils avaient atteint l'âge limite, mais ils ont accompli et ils sont dans leur droit pour être admis à la retraite. Maintenant, quand on prend le décret pour mettre des magistrats dont l'âge déjà a atteint 70 ans, il faut comprendre que ce décret n'a pas de sens. Ce décret ne devrait pas intervenir parce que ce n'est pas comme si le colonel se levait un beau matin pour dire « Voilà, je décrète la mise à la retraite de telle personne, la mise à la retraite de telle personne. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et ce qui concerne, par exemple, la démission des magistrats, lorsqu'un magistrat démissionne, c'est le conseil supérieur de la magistrature qui prend acte de cette démission. Mais le président n'intervient pas à travers le président, on dit que c'est le, il est le président du conseil supérieur de la magistrature. Je ne dis pas le contraire. Justement, je ne dis pas le contraire. À ce titre, je ne dis pas le contraire. Vous pouvez être amené à prendre des décisions. Mais je vous dis que quand vous prenez les dispositions dont j'ai cité, ces dispositions ne mentionnent nullement que le président doit prendre un décret pour mettre des magistrats à la retraite. Mais j'ai soulevé aussi une exception. J'ai dit que au regard de ces exceptions, le président peut prendre un décret pour mettre des magistrats mais à la retraite. Mais dans ce cas de figure, il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. C'est comme le cas des fonctionnaires. Il n'est pas obligé de prendre un décret. Il n'est pas obligé. À travers l'arrêté ministériel, on indique les personnes qui sont admises à faire valoir leurs droits à la retraite. C'est ça le cas. Maintenant, je vais revenir rapidement sur le contenu de cette mise à la retraite. Il faut quand même reconnaître que dans notre pays, il y a beaucoup de magistrats aujourd'hui qui ne sont plus en harmonie avec le temps. Ils ne sont pas au rendez-vous des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils ne suivent pas aussi des formations. Sinon, la loi prévoit, par exemple, quand vous partez au niveau des dispositions de l'article 40 de la même loi, c'est prévu que les magistrats doivent suivre régulièrement une formation. Et il y a aussi une question de spécialisation au niveau des magistrats. Mais vous verrez dans notre pays que des magistrats, ils sont spécialistes en tout. Des questions familiales, des questions domaniales, des questions pénales. Donc, les magistrats font tout à la fois. Bien. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de spécialisation au niveau de notre justice. Donc, l'État doit créer les moyens. L'État doit créer, créer toutes les conditions pour que les magistrats puissent non seulement se former, se spécialiser, mais aussi puissent se spécialiser. C'est pourquoi, mon cher Omo, quand vous lisez certaines décisions de justice dans notre pays, mais si vous êtes juriste, vous allez prendre votre tête. Parce que ça ne répond à aucune procédure. Ça ne répond à aucun. C'est-à-dire, ils violent. Ce sont des décisions qui violent systématiquement les dispositions de la loi. Je vous ai cité ici la dernière fois que la loi existe, par exemple, quand une décision est rendue, il faut un dispositif et des motifs. Mais vous allez prendre les décisions, la plupart des décisions, surtout des décisions qui sont rendues à l'intérieur du pays, il n'y a ni dispositif, il n'y a ni motif. Dispositif, c'est un élément qui indique, par exemple, quand une décision est rendue, c'est-à-dire sur une infraction, quelle est l'infraction, comment l'infraction est définie par la loi, quel est le texte appliqué, des lois appliquées, mais ce n'est pas le cas dans notre pays. Donc, je suis quand même heureux de voir qu'aujourd'hui, on tend à assainir aussi la justice, c'est-à-dire à moderniser la justice, si vous voulez, parce que des magistrats qui sont là, ils ne sont plus au rendez-vous de la modernité. Voilà, mais même si aussi il y a certains jeunes magistrats qui se démarrent, je pense par exemple ce matin à un certain Mamadou Diam Baldé qui se trouve au niveau du tribunal de première instance de Kindia, un certain Taran qui se trouve au niveau du tribunal de travail. Il y a beaucoup de jeunes magistrats aussi comme ça, David Biavogui, qui se démarquent et c'est important de les promouvoir. Alors, Abakar Kondé, rapidement votre grille de lecture. Mais écoutez, on est habitué depuis 5 ans au décret m'as-tu vu. C'est-à-dire que où un arrêté doit intervenir, c'est le décret qui intervient. La loi a défini dans quel cadre on doit faire un décret. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une limite au niveau de nos textes de loi, le décret intervient. Quand on dit c'est le président qui nomme, c'est le président qui renvoie quelqu'un de ses fonctions. Donc, il a ses dispositions qui lui reviennent, que la loi lui confère. Maintenant, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait voler son droit à la retraite, qui a atteint l'âge limite, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu fonctionnaire? C'est un arrêté.
C'est à travers cet arrêté-là, ou à travers ce décret-là, qu'il a été affecté à tel endroit. Maintenant qu'il a atteint l'âge limite de fonction, c'est de facto. C'est la cessation de facto. C'est de facto. On n'a pas besoin. Peut-être qu'on s'est, depuis cet instant, on s'est habitué à faire tout le décret chaque fois qu'il s'agit de quelque chose. Même quand c'est un département ministériel, c'est un décret qui intervient. Alors que le décret, ça veut dire qu'on est en train de désacraliser le concept décret. Le décret, il est important. C'est comme l'hymne national de la République de Guinée. On chante pas ça partout pour n'importe qui. On chante à des occasions exceptionnelles. Donc le décret aussi devrait être à des occasions exceptionnelles. Bien. C'est magistrat. Moi, ma seule crainte, est-ce que la relève est assurée? Oui. Parce que c'est ça ma seule crainte. La relève est vraiment assurée. Parce qu'on a vu ici, on a avec le gouvernement CNRDD. CNRD ou CNDD? CNRD. CNRD. On a envoyé beaucoup de diaspos, beaucoup de personnes. Et finalement, on a décapité les départements ministériels. Et on a envoyé des gens qui ne connaissaient pas. Mais ces diaspos, ce sont des Guinéens à Bouakala. Quand je dis, ils ne sont pas moulés. Ils ne savent même pas de. Ils connaissent peut-être les fonctions pour lesquelles ils sont affectés. Mais ils ne savent pas comment fonctionnent ces services-là. Oui. Donc, ça a affecté un peu le fonctionnement. On a même dit que les départements, ça ne fonctionne pas parce qu'on a mis déjà à des fonctions qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, est-ce que la relève est suffisamment assurée? Si c'est assuré, tant mieux. Mais il faut dire peut-être au colosse du palais au médecin de faire une dose. On a besoin d'une dose. On n'a pas besoin du décret partout. Bien. On a besoin du décret quand c'est exceptionnel, quand il y a au moins un vide au niveau de nos textes, bien. Le décret intervient. Mais je pense que merci. Les magistrats qui sont partis là, ils ont fait valoir leur droit à la retraite. Mardi Doumbouya devait au moins faire souffrir un peu son stylo pour empêcher qu'il mette sa signature sur tout et sur rien. Allez, merci beaucoup Aboubacar Kondé. À présent, on va partir avec, bien entendu, le premier passage de notre écran publicitaire. Derrière, c'est les infos que vous allez avoir. Et je le précise que toujours dans le supplément d'ensemble, on parlera aussi de cette affaire. L'affaire Fatoumata Nuhu Diallo décédée, souvenez-vous, par noyade, je crois bien c'était dans la commune de Matam. Eh bien, le papa de la fille réclame justice. On en parlera juste après la publicité et les infos sur Film Guinée, à tout à l'heure. Les opérations techniques, c'est Tierno Hassan Diaoné qui nous accompagne. Il est assisté des deux gazelles, Saramba et Fatoumata Bari. Du côté de la régie, c'est le colosse Ibrahim Sila, assisté du Golden Boy, Ali Badra Kourma, qui nous appuie à son niveau. Merci encore une fois de nous rejoindre. Alors, Aboubacar Kondé, avant la pause, on parlait de la mise à la retraite, bien entendu, de ces 22 magistrats, très rapidement, oui. Carman et Charlotte. Plutôt, le colonel Mamadi Doumbouya exprime là clairement, selon vous, une certaine volonté de nettoyer le ministère de la Justice, le secteur judiciaire de ces écuries de Zias, selon vous. Bon, nettoyer, ça sera trop dit. Trop dit, oui, mais nettoyer, c'est un nettoyage. C'est assainir. Gens, c'est des gens qui on parle d'assainissement, là. C'est des hommes et des femmes qui ont servi loyalement ce pays, oui. Qui ont atteint l'âge... requis pour exercer cette fonction, c'est-à-dire que la durée maximale. Donc, si ceux-là sont remerciés aujourd'hui, ils doivent bénéficier de tous les honneurs dus aux sacrifices consentis pour la République. C'est vrai qu'ils ne sont pas aujourd'hui au goût de la technologie, au goût des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais cela ne voudrait pas dire qu'ils sont des parias, c'est des gens et des hommes et des femmes qui ont bien servi ce pays. Je voudrais faire la précision. Voilà. Je ne fais pas, ce n'est pas la question. Je ils n'ont fais pas été mis à la retraite. Si vous le permettez, on va échanger, si vous le permettez. En fait, si je parle de nettoyage, ce n'est pas par rapport à ces magistrats-là. C'est des gens qui méritent notre respect, toute notre admiration pour tout le service rendu à la nation. Mais j'ai envie de dire, est-ce que quelque part aussi, l'objectif n'est pas faire de la place à des nouveaux magistrats? Oui, c'est voilà, ça, rajeunir c'est un peu le secteur. C'est un peu ça. Quand ils sont venus aux premières heures, on a vu des gens qui ont fait valoir le droit à la tête, qui ont été renvoyés à la tête, qui avaient déjà atteint l'âge limite depuis deux ans, trois ans, quatre ans. Donc c'est bien de nettoyer le fichier de la fonction publique pour permettre à d'autres jeunes de pouvoir obtenir ses places à la fonction publique, parce que chaque fois on dit il n'y a pas de place et les gens accèdent à la fonction publique sans passer par des concours. Donc si aujourd'hui on a la volonté de libérer le fichier, permettre à d'autres jeunes d'avoir accès à ces fonctions, tant mieux. Ceux qui ont été, parce que j'ai vu des titres sur les sites, on dit renvoyé, comme si c'est des gens qui n'avaient pas encore atteint l'âge limite qu'on l'a renvoyé. Ce n'est pas une retraite anticipée, comme si c'est des gens qui ont atteint l'âge limite, qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Donc ils mettent tous les honneurs. Il ne faut pas les caricaturer. Bien. Comme si les gens, parce que quand j'ai vu les titres, on dit renvoyer.
C'est comme si c'est des gens qui n'avaient plus maintenant leur place là-bas. Non, renvoyé. C'est des gens qui ont loyalement foi. Qui a parlé de renvoyer ici? Non, j'ai vu des titres sur les sites. On dit renvoyer. Voilà. Nous, ici, on parle de mise à la retraite. C'est important la précision. C'est des hommes et des femmes, des dignes fils de ce pays. Mais c'est le décret qui a fait ça, Condé. Qui ont fait droit à leur loi. Merci, merci les deux. On ne va pas polémiquer là-dessus. On ne va pas polémiquer là-dessus. On est vraiment d'accord. Il faut accorder tout le respect qu'il faut à ces magistrats-là. Et personne n'a parlé de renvoi dans ce studio-là. Allez. Yara Guirassy, rapidement, un mot là-dessus. Voilà, moi, je t'ai en train de réagir par rapport à ce qu'il... Je pense que le débat par rapport à la technologie, parce qu'ils ne maîtrisent pas la technologie, ne s'impose pas. Ne se pose pas du tout. Parce que pour moi, oui, parce que pour moi, c'est pas la raison. C'est un droit qui leur a été accordé. Ça devait être comme ça. Et ça s'est fait comme ça. La seule chose que nous déplorons dans cette histoire, c'est le fait que on a attribué un décret à l'acte. Le décret, comme l'a dit Khalil, ne devait pas intervenir. Mais comme le disait un de nos invités cette semaine, la tyrannie de décret, moi, me renvoie à dire exactement que le groupe qui nous dirige a peut-être des carences. En matière administrative, je l'ai toujours dit. Ça ne sert à rien de quand même consulter des dispositions concernant la loi. Je sais que ce n'est pas dans la culture, dans la plupart du temps du Guinéen, de lire. Je sais que même au haut sommet de l'État, quand vous envoyez des mails, c'est difficile qu'on les ouvre. Mais pour, en prenant une décision, ça ne vous coûte absolument rien de consulter les dispositions qui existent déjà et de vous référer à cela pour pouvoir faire les choses dans les normes. Allez, je ne voulais pas parler, mais je vais placer juste un mot. Je voulais pas parler. Sauf que vous êtes pressé. Oui. D'accord. On vous donne la parole. Maintenant, allez-y. Passe. La mise à la retraite en Guinée est devenue une pratique d'humiliation. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas normal. Comment ça? Oui, parce qu'à chaque fois que les gens doivent faire valoir la retraite, on prend des décrets, on sort des listes, on affiche à la télé, sur les sites, que telle personne est partie à la retraite. Ailleurs, ça se fait discrètement. Alors qu'on peut les appeler, même pas publiquement, de faire valoir leurs droits à la retraite. Vous ne pouvez pas appeler tout le monde, des milliers de personnes. Allez, merci. Il y a un ministère pour ça. On va évoluer. Donc, on doit cesser d'humilier nos fonctionnaires. C'est des choses qui doivent se faire discrètement dans leur département. Ils partent, mais on n'a pas besoin de les exposer à la télé, en tout cas, ni dans les radios. Merci beaucoup, Ibrahima Souri, l'inconsument. Le Toubab, Mamadou à Baldé. Alors, votre lecture. Sur cette question de mise à la retraite de ces magistrats, par décret, je voudrais dire que la question qui se pose, c'est la question de l'ordonnancement des normes dans notre pays. C'est la question de la superposition des normes dans notre pays. Le pouvoir décrétal, il est encadré. Le pouvoir décrétal, il est quand même régulé dans notre pays. Mais ce n'est pas au président de la transition qu'on devrait apprendre cela. Et ses conseillers, je pense qu'il a des conseillers ou devrait avoir des conseillers juridiques pour agir. Mais ce qui est étonnant dans ce pays, c'est qu'il y a une méconnaissance. Mais c'est extraordinaire de nos textes de loi dans notre pays. Et c'est extraordinaire. Il ne s'agit pas tout simplement de voter des lois, de les publier ou de les promulguer, de les publier dans le journal officiel de la République et se dire qu'on a fait notre travail. L'État a une mission de participer à la vulgarisation de ces textes de loi dans notre pays. Mais aussi, il est du devoir des acteurs politiques, sociaux, de la société civile, particulièrement de faire des débats, aller à l'université, faire des rencontres, des forats, des débats sur ces textes-là. Nous allons bientôt vers un débat d'orientation constitutionnelle dans ce pays avec le CNT, mais il faut qu'il y ait suffisamment de débats. Mais à quoi servent les facultés de droit, les amphis, mais les étudiants en droit, mais ils doivent participer avec les juristes de ce pays-là pour qu'il y ait un débat dans ce pays. On n'a pas la culture du débat, on n'a pas cette culture de vulgarisation de nos textes. Il le faut, ça s'impose. Alors, je voudrais aussi ajouter un point. En fait, c'est l'image que nous avons aujourd'hui du magistrat en Guinée. Alors, l'image qu'on a, c'est que c'est généralement c'est que l'opinion publique a, c'est que nos magistrats, je ne dis pas tous, ce sont des gens corrompus, ce sont des gens qui reçoivent des ordres de la part des politiques. Oui, ce sont des gens qui reçoivent des ordres des politiques. Selon certains, mais écoutez, une partie de l'opinion, on a vu, pas tout le monde. Une bonne partie de ces gens qu'on a envoyés à la retraite sont au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous savez, l'image qu'on a de la Cour constitutionnelle dans notre pays. Donc, on a vu Suprême. La Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle. Vous parlez de. Elle n'existe pas. Non, justement, en fait, il fait allusion à Bangoura, carrément, qui a cautionné le troisième mandat, qui l'a même validé. Mais pas que lui, il y en a d'autres. Alors. Ici, du Souleyman. Évidemment. Et vous savez, j'ai comme. Il a d'ailleurs fait son mea culpa. Merci. J'ai comme l'impression que tous les présidents qui arrivent, quand même, ont un certain regard vis-à-vis de la magistrature. Vous vous rappelez, le président Dadis aussi avait une cohabitation difficile avec les magistrats. Est-ce que le président Mamadi Doumbouya également a enclenché sa machine? Nous allons voir, parce qu'il y a des sujets importants qui vont se poser sur la question de la magistrature avec cette réforme de la justice dans notre pays. On va voir, on va l'observer, mais la question de l'éthique doit être au cœur de la magistrature dans notre pays, bien sûr, et la formation aussi. Le supplément d'ensemble se poursuit dans un instant.